Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam. Et j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui pour cette conférence Charlotte Maury, qui est en charge au département des arts de l'islam des collections ottomanes et des collections de l'art du livre. Et elle va vous présenter aujourd'hui un thème en lien avec l'exposition que vous pourrez découvrir dès que le musée ouvrira et qui sera en place jusqu'à début novembre dans notre espace d'actualité au parterre des arts de l'islam autour de la marqueterie. Et je la laisse bien sûr développer et présenter ce sujet, mais l'un des enjeux pour nous de ces expositions que nous faisons au parterre du département dans les collections permanentes est aussi de mettre en avant les dialogues culturels, que ce soit entre l'Orient et l'Europe ou à l'intérieur même de cette vaste sphère du monde islamique entre l'Espagne et l'Inde. Et le thème de la marqueterie, vous verrez, s'y prête particulièrement dans ce dialogue culturel et artistique. Et je lui passe sans tarder la parole. Merci. Merci Yannick et merci à l'auditorium pour avoir organisé cette conférence. C'est un peu étrange. Bonjour à tous. Bonjour, je vous imagine derrière les écrans. Il faut vous imaginer que je suis devant un auditorium totalement vide et c'est un petit peu étrange. Je salue tous ceux que je connais bien et qui sont derrière leurs écrans et ceux que je connais moins bien et qui vont avoir la patience de m'écouter pendant une bonne heure. Donc je commencerai cette conférence par la distinction qu'il convient de faire entre le terme marqueterie et le terme incrustation. En effet, les deux termes sont souvent confondus. Ici, quand je parlerai de marqueterie, je parlerai d'un décor qui consiste à plaquer des matériaux à la surface du bois en les fixant souvent à l'aide de colle ou parfois de résine, tandis que l'incrustation sera utilisée quand il s'agira d'un décor dans lequel il s'agit donc d'incruster cette fois-ci des éléments de bois dans des creux préalablement ménagés à la surface du bois. Néanmoins, un décor plaqué peut être plaqué dans un défoncement creusé dans le bois pour le recevoir. Il y a donc souvent, et on va le voir, à la fois plaquage et incrustation dans la masse du bois, raison pour laquelle, du reste, les deux termes sont souvent assimilés, ce qui peut engendrer parfois des confusions quand on veut rentrer un peu plus en profondeur dans les techniques de fabrication. Donc, les tombes des civilisations anciennes ont révélé la variété des manières de recouvrir ou d'incruster le bois à partir de matériaux divers. En voici trois exemples provenant de Mésopotamie, d'Égypte et de Turquie qui offrent un échantillon des possibilités. L'étendard d'Ur qui remonte à environ à 2500 avant Jésus-Christ, dont l'âme de bois est entièrement recouverte d'une mosaïque de nacre et de lapis lazuli collée au moyen de bitume. Et au fond, dans ce choix-là, le matériau premier, le bois, s'oublie complètement. Au centre, vous voyez un célèbre trône, le trône de la princesse Sitamoun, qui remonte au XIVe siècle avant Jésus-Christ et qui est entièrement plaqué de bois sur une âme de bois. Ce bois de surface, de plaquage, donc, est animé d'un décor de plâtre moulé en bas-relief et qui est aussi doré. Ce trône a été trouvé également en contexte funéraire, comme l'étendard d'Ur, dans la vallée des rois, dans la célèbre tombe de Yuya et Tuyu. Enfin, sur la droite, vous pouvez voir une table trouvée dans la nécropole de Gordion, cette fois-ci en Turquie, au sud-ouest d'Ankara, qui est un des exemples les plus anciens d'incrustation de bois dans le bois et qui crée un effet de polychromie. Donc, les motifs incrustés ici sont en bois de genévrier et contrastent avec le fond en bois de buis. Pour l'époque islamique, les exemples de mobilier marqueté ou incrusté sur bois sont assez rares avant le XIVe et le XVe siècle et se sont, s'ils existaient, très mal conservés. Des premières périodes, nous connaissons surtout des décors de bois sculptés et le département des arts de l'islam en conserve de nombreux exemples.
Mais la collection du département des arts de l'islam, qui rassemble à la fois les œuvres acquises pour le musée du Louvre et depuis 2008 la collection des arts décoratifs déposée à long terme au musée du Louvre, conserve donc très peu d'œuvres marquetées remontant à une période antérieure au XIVe siècle, mais c'est le cas de nombreuses collections muséales. À l'exception notable d'un panneau de cénotaphe égyptien du IXe siècle, que vous voyez en haut à gauche ici sur l'écran, et sur lequel nous allons bientôt revenir. Mais dans le parcours, finalement, sont exposées surtout des œuvres dans les parties du parcours permanent qui correspondent aux espaces mamelouks, ottomans et moghols. Dans ce parcours est exposé par exemple un lutrin provenant d'un complexe funéraire mamelouk de la fin du XVe siècle que vous voyez en bas à gauche et sur lequel je vais revenir aussi, des portes de provenance égyptienne mais aussi des exemples de marqueterie ottomane, par exemple ici cette table de scribe, la marqueterie d'écailles et de nacre caractéristique de l'époque ottomane. Enfin, dans le parcours permanent est également présenté un coffre à marqueterie de bois exotique et d'ivoire attribué à l'Inde du XVIIe siècle et destiné notamment à une clientèle européenne de marchands et de voyageurs. Alors, la collection de coffres indiens est en fait beaucoup plus riche que ne le laisse penser l'exposition permanente. Deux d'entre eux sont actuellement exposés au Louvre Abu Dhabi et un autre au Louvre Lens. Donc, ce sont les deux coffres que vous avez au centre. Restez donc disponibles pour la petite rotation que j'espère vous découvrirez à la réouverture du musée. Donc deux autres coffrets, l'un en marqueterie donc de bois exotique et d'ivoire, et l'autre qui est donc tout à fait à droite, qui est un coffre à bijoux qui est une des dernières acquisitions du département. Est absent également du parcours permanent le mobilier marqueté iranien du XIXe siècle, notamment cette table qui avait été présentée à l'exposition L'Empire des Roses au Louvre-Lens en 2018. Sont absents également d'autres exemples de cette marqueterie iranienne du XIXe siècle, notamment des coffrets avec ou sans abattant. Sont absents également quelques objets qui relèvent cette fois-ci du monde ottoman et qui illustrent ce goût pour la marqueterie d'écailles et de nacre. Le miroir que vous avez au centre se trouve actuellement exposé au Louvre-Lens et celui de droite, le coffret de droite également. Donc, bien que ne figurant pas dans le parcours permanent, toutes ces pièces ont fait l'objet d'une campagne de restauration systématique depuis une dizaine d'années. Afin de pouvoir être montré justement au public, au Louvre-Lens, au Louvre Abu Dhabi ou dans le cadre d'expositions temporaires comme celle que nous proposons actuellement dans l'espace d'actualité qui malheureusement n'a pas pu ouvrir. Donc l'installation s'est faite à la mi-novembre mais malheureusement n'a pas encore trouvé son public. Donc, puisque le département des arts de l'islam dispose désormais de cet espace d'actualité situé à l'étage bas, nous avons souhaité réunir justement les exemplaires actuellement en réserve auxquels ont été associés quatre prêts du département des objets d'art, du département des antiquités égyptiennes et du musée de Cluny. Donc, sur cette photographie, vous découvrez l'espace d'actualité du parterre qui occupe le périmètre d'un ancien podium de tapis, pour ceux qui connaissent bien le département. Et vous y découvrez la sélection d'objets consacrés à l'art de la marqueterie. Donc voici un plan de cette rotation semestrielle qui rassemble une quinzaine d'œuvres aux datations et aux origines géographiques diverses, puisque nous allons du 9e au 19e siècle, et que nous balayons un espace qui va de la Méditerranée au sous-continent indien. Donc de ce côté-ci sont d'ailleurs rassemblées plutôt les œuvres appartenant au monde méditerranéen, Espagne, Italie, Égypte. Ici, nous allons plus vers l'est avec des œuvres qui illustrent la marqueterie iranienne du XIXe siècle, tandis que trois œuvres ici, encore plus à l'est, sont là pour évoquer la marqueterie de l'Indre à partir de la Renaissance. Donc, je m'attarderai plus particulièrement aujourd'hui sur les développements et transformations, sur une période de plus d'un millénaire, d'une marqueterie géométrique qui fleurit dans le monde méditerranéen et au Moyen-Orient.
Je ferai ensuite une toute petite percée dans le monde de la marqueterie du sous-continent indien. Alors, pour commencer avec le développement de la marqueterie géométrique, je commencerai donc par le premier objet qui est présenté dans cette rotation, en tout cas si l'on prend la rotation dans le sens de visite. Donc, il s'agit de l'exemple de marqueterie le plus ancien conservé au département, et il s'agit donc d'un panneau fragmentaire acquis en 1933 par Jean-David Velle, futur conservateur du Louvre, et qui était à l'époque pensionnaire à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Donc il avait acquis ce panneau auprès d'un antiquaire du Caire. Ce panneau a longtemps été présenté dans la première vitrine du parcours permanent des salles, mais les modifications récentes apportées à l'entrée des salles du département ont fait disparaître la vitrine dans laquelle il se trouvait, raison pour laquelle ce panneau se trouvait disponible pour la rotation semestrielle de l'espace d'actualité. Donc, comme vous le voyez, la paroi est subdivisée en panneaux quadrangulaires qui sont séparés par des bandeaux décoratifs. Donc, vous voyez ici deux panneaux quadrangulaires. Peut-être étaient disposés ici de manière symétrique. L'un d'entre eux est lacunaire. Quant à ce panneau-ci, on se demande s'il n'y a pas eu un réaménagement de la surface, puisque cette bande ici qui vient refermer une forme qui n'est pas tout à fait carrée, qui n'est pas sur le module des autres, semble indiquer une restauration, un remaniement ou une réutilisation de ce panneau. Les surfaces sont animées d'effets de damier qui, comme vous le voyez, sont obtenus en juxtaposant de minuscules carrés ainsi que des réseaux d'étoiles qui sont obtenus cette fois-ci en juxtaposant plutôt des petits éléments découpés en forme de losange. Donc les pièces de bois de forme carrée ou losangique forment ainsi une micro-mosaïque d'éléments aux teintes plus ou moins claires, plus ou moins foncées, ce sont ces variations de couleurs qui engendrent des effets de polychromie. On note aussi l'emploi de clous pour maintenir les éléments les plus grands. Vous pouvez voir aussi que la déformation du bois a entraîné des mouvements dans cette marqueterie de plaquage, dans cette marqueterie de surface, et cela a une incidence sur la manière de lire en fait la technique avec laquelle cette mosaïque a été composée. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ce panneau a été retrouvé, comme d'autres panneaux aujourd'hui conservés, dans différents musées, notamment Donc, le panneau du Louvre se rattache à un groupe trouvé donc au même endroit dans la nécropole d'Aïn Sira au Caire. Voici donc un panneau conservé au Metropolitan Museum de New York et deux autres panneaux conservés au Musée d'art islamique du Caire. Ceux du Caire et de New York sont plus complets que celui du Louvre, un peu plus complexes aussi. Ils montrent les mêmes associations de motifs en damier ou étoilés, mais le décor s'organise autour d'un panneau central carré et d'une frise de niche qui sont absentes du panneau du Louvre. Donc voici un détail sur les associations de petites formes que l'on trouve donc au Caire et sur les panneaux du Caire et du Metropolitan Museum, avec, vous le voyez ici, un détail sur les décors architecturés qui se trouvent entre les niches. Vous voyez aussi au passage un décor fait de petites languettes ici qui n'existent pas, juxtaposées, qui n'existent pas sur le panneau du Louvre. Donc, longtemps considérés comme des éléments de cénotaphe, leur fonction reste un mystère. On a proposé d'y voir peut-être le décor de coffret pour renfermer des exemplaires du Coran. Sur certains panneaux, en tout cas, les éléments sculptés
semble rattacher ces panneaux au IXe siècle, car les motifs que l'on trouve sur ces éléments sculptés renvoient à un répertoire décoratif assez courant au IXe siècle et hérité de l'antiquité tardive, tels donc ces rinceaux végétaux ici ou ce motif de conque à l'intérieur des niches. Cet ensemble de panneaux reste pour l'instant isolé et il est difficile de savoir s'ils sont les seuls témoignages d'une production disparue, si les décors sculptés sur ivoire se rattachent à l'esthétique de l'Antiquité tardive. Les assemblages géométriques sont plus difficiles à remettre en contexte. Ils évoquent bien sûr les motifs traditionnels de vannerie, mais peut-être évoquent-ils des compositions de marqueterie de pierre en opus sectilé dont on connaît l'utilisation tout autour de la Méditerranée et qui eut un développement assez conséquent dans l'Europe du Moyen-Âge. Ce type de mosaïque de pierre, contrairement à la mosaïque classique faite de tessères et régulières, est composé de pièces taillées dans des formes géométriques simples, comme vous le voyez. Et je vous ai montré à titre des... Enfin, vous voyez sur cette... sur cette diapositive, un exemple du pavement récemment restauré, qui a fait l'objet d'une petite exposition l'an passé, de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et qui est daté du XIe siècle, ainsi qu'un détail du pavement de Saint-Marc de Venise qui offre une esthétique tout à fait comparable aux panneaux du Louvre et à ses homologues. Je me garderai bien sûr d'interpréter ces similitudes qui demanderaient néanmoins de se pencher peut-être sur l'existence ou la persistance de décors semblables dans les premiers siècles du monde, de la période islamique. Donc, après cet ensemble de panneaux découverts à Ain Sira, nous ne connaissons pas d'autres exemples de marqueterie géométrique complexe avant le XIIe siècle et une série de minbars conservés au Maghreb et datables des XIIe-XIIIe siècles. Comme nous allons le voir, la marqueterie géométrique semble utiliser une technique connue en français sous le nom de marqueterie en bloc, connue en italien sous le terme de intarsia a topo, et donc, ils ne sont pas constitués d'un assemblage de formes juxtaposées, ce qui semble être le cas des panneaux égyptiens que je viens de vous montrer. Au contraire, ils montrent une technique qui consiste à assembler au préalable des languettes de formes géométriques diverses, de former un bloc, puis de découper dans ce bloc des tranches qui seront ensuite assemblées à la surface des objets. Donc, vous voyez sur cette planche comment on passe d'un motif très simple, en général une étoile au centre, faite donc à partir de plusieurs losanges, auxquels on adjoint des assemblages, cette fois-ci faits sur un module, voyez, avec une section carrée, qui permettent d'obtenir des effets de damier ou d'échiquier. Puis vous pouvez encore y adjoindre des éléments losangiques pour former cette fois-ci un polygone, ou encore des languettes pour reformer à l'extérieur, comme ici, donc des motifs entrelacés de deux carrés entrelacés. Donc voici un exemple donc pris sur le site en fait d'un restaurateur de ce type d'objet contemporain. Donc c'est en effet cette technique qui s'observe dans les minbars du Maghreb, notamment pour obtenir des effets précisément de damier et d'échiquier, ces effets qui étaient aussi très très présents, comme vous l'avez vu, sur les panneaux égyptiens. La première occurrence connue se trouve dans le décor du minbar de la Koutoubia de Marrakech, qui est un chef-d'œuvre de sculpture et de marqueterie cordouane. En effet, ce minbar fut commandé à Cordoue par le dernier souverain almoravide, Ali ibn Yusuf, qui régna de 1106 à 1142, et pour la mosquée qu'il avait fait ériger à Marrakech, sa capitale. Alors que sa mosquée fut détruite et reconstruite par le premier souverain de la dynastie almohade, Abd al-Mu'min, le minbar fut en revanche préservé et installé dans la nouvelle mosquée, aujourd'hui donc mosquée très connue, la mosquée de la Koutoubia à Marrakech. Donc le minbar actuellement n'est plus dans la mosquée et se trouve dans le palais Badi à Marrakech. Donc, comme vous le voyez, la marqueterie joue sur des alternances d'éléments en bois sculpté et d'éléments marquetés. La marqueterie joue sur des couleurs de bois différentes, des couleurs assez chaudes, brun, roux, qui offrent un contraste avec des pièces taillées dans de l'ivoire ou de l'os.
Ces éléments, vous percevez peut-être, alors voilà, ces éléments sont construits, enfin ces bandeaux et ces éléments de marqueterie montrent souvent une organisation en juxtaposition de petits carrés qui sont les unités minimales de ce décor. On les retrouve à la fois dans les bandeaux qui enserrent la composition géométrique générale des joues du minbar, mais aussi on retrouve des petites unités, mais alors dont d'ailleurs on ne sait pas exactement comment ils ont été obtenus, des petites unités carrées ici par exemple, qui sont associées à des palmecs et qui forment un fond tapissant à l'intérieur des niches ici, qui sont également entièrement marquetées, mais aussi ici qui forment un fond sur lequel s'enlève une inscription en caractère koufique. Donc, pour rappel, donc, tous les éléments de ce type de minbar, qu'ils soient sculptés en relief ou exécutés en marqueterie, sont collés sur le support. Ils ne sont pas assemblés les uns avec les autres par un système, par exemple, de rainures et languettes, comme c'est le cas pour les minbars que nous allons voir par la suite au Moyen-Orient. Il y a au contraire une dépression qui est ménagée à l'endroit où viennent s'insérer les formes sculptées. Le décor marqueté est également collé au substrat de bois. Donc, finalement, si l'on prend ce décor de manière globale, les éléments sculptés comme la marqueterie est plaquée, et peut-être que le terme de marqueterie, au fond, peut être appliqué à l'ensemble du décor de ces minbars. Alors, le minbar de la couture bien, évidemment, a eu des héritiers à travers toute une série de minbars qui ont été exécutés ou réalisés au XIIe et au XIIIe siècle et qui se trouvent encore au Maroc, soit dans les édifices religieux, soit dans des musées marocains. Donc la marquesterie, comme en suivant en fait le modèle d'ailleurs du minbar de la Koutoubia, sont réservées en général pour les lacis géométriques qui définissent les unités géométriques des joues des minbars, mais on peut les trouver aussi au niveau des portes, à l'intérieur, sur les jambages, mais aussi à l'intérieur. Ici, vous avez une vue vers l'intérieur d'un autre minbar que nous avions eu la chance d'avoir au Musée du Louvre en 2014 pour l'exposition Maroc médiéval. Donc, ce minbar avait été réalisé pour la mosquée de la Casbah de Marrakech, qui fut édifiée entre 1189 et 1195 par le calife Almohad Abou Youssouf Yacoub Al-Mansour. Et vous voyez que la marqueterie est utilisée tout à fait de la même manière que dans le minbar de la Koutoubia. On le trouve donc sur le lacis géométrique, au niveau de la porte, mais aussi sur les contremarches. Donc voici les contremarches où on remarque également, si vous regardez bien, des petites unités carrées qui semblent avoir été juxtaposées pour former des décors tapissants. Donc ces petites unités carrées, vous les repérez ici par exemple. C'est plus difficile de savoir comment cet assemblage est fait, mais ici c'est assez évident. Donc, utilisation, là aussi, d'une marqueterie probablement assemblée avant d'être plaquée et encollée sur la structure. Donc, voici encore un détail où là, vous repérez peut-être encore plus facilement les différents assemblages ici. Encore une autre photo qui, cette fois-ci, montre par endroit donc, ce décor, peut-être assemblé par bloc, a souvent été disposé sur une toile avant d'être encollé sur le support du bois. Donc là, vous avez un détail où ce type de toile est encore visible. Voilà, la marque. Un autre minbar était venu à Paris, c'était celui de la Madrasa Bouinania, alors plus récent d'un siècle que celui que je vous ai montré précédemment, ou presque un siècle. Donc il s'agit du minbar de la Madrasa Bouinania qui remonte au milieu du XIVe siècle. Donc le décor de
de marqueterie ne s'y observe là encore qu'à l'intérieur de la porte et montre, vous allez le voir, des harmonies de couleurs et un schéma de composition qui se retrouvent dans le petit mobilier de l'époque nasride en Espagne. Donc on peut voir une légère évolution dans la polychromie ici. Alors, vous pouvez peut-être deviner ici qu'il y a parfois des éléments de couleur verte qui n'apparaissaient pas sur les minbars précédents. Voici un détail de la marqueterie de l'intérieur, en fait. Donc, c'est une image assez rare, où vous voyez le dessin et les assemblages, là encore, par unité carrée, pour former, voyez, une étoile inscrite dans un octogone, réinscrite dans une étoile, réinscrite dans un polygone, etc., etc., et qui vient ensuite reformer un motif qui combine des étoiles à quatre branches et des polygones. Alors, donc, comme je vous le disais, ce décor du minbar de la Bouinania est tout à fait comparable au décor des coffrets attribués à l'Espagne nasride et au XIVe siècle, et dont un exemplaire est conservé, très bel exemplaire conservé, au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Vous pouvez voir... Vous pouvez voir un motif exactement similaire à celui que l'on a sur le minbar de la Bouinania de Fès. Donc, décor de ce minbar qui a probablement été fait, du reste, par des artisans venus de la péninsule ibérique. On retrouve exactement ce même type de décor dans un autre coffret conservé à Madrid, au musée archéologique, notamment sur le devant ici. Quant aux autres entrelacs, ils rappellent bien sûr des entrelacs que l'on a vus sur les minbars marocains. Alors, l'apparition de la couleur verte est quelque chose de nouveau. Elle va renforcer en fait les effets de polychromie et elle est assez caractéristique de la marqueterie de l'époque, enfin du XIVe et du XVe siècle. Alors, l'une des recettes connues pour obtenir cette couleur verte consiste à tremper l'os blanchi dans du sel ammoniac additionné de poudre et de copeaux de cuivre. Et c'est ce mélange qui provoque une réaction chimique et qui colore l'os dans la masse. Cet os est ensuite redécoupé, évidemment, et permet d'obtenir ces petites formes de couleurs qui vont s'insérer dans la marqueterie. Donc, le type de motif et de technique caractéristique de la marqueterie espagnole et que l'on retrouve évidemment sur les minbars marocains, par exemple, comme celui de la Bouinania de Fès, se retrouve aussi à la même période en Italie, où se développe notamment dans la région de Sienne une marqueterie à la fois figurative mais aussi géométrique et de très grande qualité, comme en témoignent les stalles et le cœur les vieilles stalles et le vieux cœur de la cathédrale d'Orvieto, qui sont aujourd'hui déposées et qui sont conservées dans le musée de la cathédrale d'Orvieto et donc qui ont été commencées dans les années 1330 et probablement continuées sur plusieurs années, au moins peut-être 10 ou 20 ans. Donc certains décors de marqueterie montrent des compositions tout à fait comparables. Sans entrer dans le détail sur le sujet, je n'en aurai pas le temps, je vous montre ici une planche tirée d'un recueil d'ornements du 19e siècle qui répertorie des motifs de marqueterie qualifiés de gothiques, puisque courant dans les monuments rattachés au gothique italien. Les numéros 10, 11, 12 sont légendés comme des motifs de la porte de la sacristie de la basilique Santa Anastasia de Vérone, mais je n'en ai pas trouvé d'exemplaire. Il s'agit de ces motifs-là qui rappellent énormément ce que l'on voit dans les marqueteries d'Espagne ou dans les marqueteries du Maghreb, enfin des minbars maghrébins qui découlent de toute façon ou qui ont probablement été exécutés par des artisans venus d'Espagne. Vous voyez au centre également un autre exemple assez fameux qui reproduit le type d'entrelacs que l'on retrouve par exemple sur les joues des minbars marocains ou encore sur les coffrets espagnols et qui a été réalisé pour la partie haute d'un pupitre. Voilà, qui se trouve également au musée de l'opéra, du dôme d'Orvieto. Et vous voyez ici une photo de détail, en fait, de la planche que je vous ai montrée précédemment.
pour finir avec cette circulation des motifs, donc cette circulation des motifs, elle s'illustre aussi dans de nombreux détails que l'on peut trouver dans les fresques italiennes du XIVe siècle. J'en ai pris une ici parmi beaucoup d'autres, où vous voyez donc dans cette fresque de notamment le détail ici du coffre sur lequel est assis le Christ, qui montre un décor qui rappelle bien sûr les compositions que nous venons de voir. Alors à noter enfin que le terme utilisé en Italie pour la marqueterie, intarsia, a la même origine que le terme utilisé pour cette même marqueterie en espagnol, qui est le terme taracea. Tous deux dérivent d'un terme arabe, talsea, qui veut dire incrusté. Et donc c'est amusant de voir que que ce soit en Italie ou côté espagnol, en fait, le terme qui sert à désigner ce type de motif a une origine arabe et en soi évidemment illustre probablement l'histoire des échanges qui ont eu lieu des deux côtés de la Méditerranée. Si j'ai fait cette digression, pardon, sur les développements de la marqueterie espagnole, et si j'ai tiré des parallèles avec l'Italie, c'est pour en arriver au siège et au coffre présenté dans l'exposition, et qui vous voyez sur cette photo ici. Donc, ces deux œuvres ont été aimablement prêtées par le musée de Cluny. Le siège de provenance espagnole fait partie de la collection en fait, du département des objets d'art, mais se trouve en dépôt au musée de Cluny. Vous allez voir qu'il prolonge les techniques de plaquage et d'assemblage en bloc développées dans la péninsule ibérique quelques siècles plus tôt. Quant au coffre, il appartient cette fois-ci en propre aux collections de Cluny. Et il se rattache à un groupe et à un type de mobilier, tantôt attribué à l'Espagne ou à l'Italie. Vous allez voir son décor géométrique, qui est un peu inspiré des motifs de l'art islamique, et cependant exécuté dans une technique, cette fois-ci vraiment d'incrustation, et non pas de plaquage et de marqueterie, et qui s'éloigne de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Donc voici un détail sur le décor du siège, qui est donc un siège en X. Là, vous êtes donc à l'endroit où se croise en fait de croisement en fait du X. Donc vous le voyez, vous le distinguez peut-être. Donc le motif en fait est formé à peu près partout d'un motif en bloc organisé enfin, en rectangle ou en forme un petit peu plus irrégulière de manière à pouvoir, vous le voyez, épouser des contours plus courbes. Donc, c'est donc à nouveau probablement cette même technique d'assemblage par bloc. Ici, vous avez quatre éléments qui, là aussi, sont rattrapés, évidemment, à certains endroits pour s'adapter à la rotondité de l'espace. Donc, voici une photo prise au microscope à gauche par Delphine Elie Lefebvre, qui a restauré pour nous de nombreux objets. Et là, vous voyez, vous voyez toujours les effets, des effets de damier que nous avions vus précédemment, mais ici, vous le voyez à l'image, dans une précision microscopique. Vous voyez que ces effets de damier jouxtent au contraire des triangles qui, cette fois-ci, sont redivisés en plusieurs triangles selon un schéma que nous n'avons pas vu apparaître pour le moment, sur lequel je reviendrai bientôt, de même que apparaît dans cette marqueterie, qui est un peu plus tardive que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, je vais y revenir, des éléments métalliques, probablement de l'étain. Ce sont en fait les triangles que vous avez ici et qui ont, quand on observe le décor, un scintillement particulier qui ajoute à la polychromie. La polychromie reste celle que nous avons vue émerger au XIVe siècle avec le vert qui reste une couleur importante et ensuite les contrastes entre les couleurs de bois chaudes ou foncées et l'ivoire ou l'os. Donc le motif est caractéristique d'une série de sièges, mais aussi de coffres que l'on date tantôt du XVe, tantôt du XVIe siècle, mais qui ont peut-être été encore produits jusqu'au XVIIe siècle.
Donc voici un exemple. Alors il y a deux motifs principaux sur ces sièges. Celui que vous avez vu précédemment, donc qui s'organise autour d'une rosace inscrite dans un polygone. Mais vous avez aussi un motif de bandeau qui, cette fois-ci, on ne sait pas exactement comment l'assemblage est fait, si c'est vraiment un bloc très long comme ça qui est redécoupé, s'il s'agit d'un assemblage vraiment partie à partie. Nous n'avons pas réussi, en le regardant de près, à décrypter le système d'assemblage. En tout cas, cet assemblage est fait, vous le voyez, sur un substrat qui n'est pas ici une toile, comme on l'avait vu dans le minbar de la Casbah, mais un papier sur lequel donc est encollé, probablement lors d'une étape intermédiaire, le décor. Donc ce principe se retrouve sur un autre siège exactement de même type, qui se trouve au Metropolitan Museum. Vous voyez ici, dans les parties où le décor est complètement, le décor de marqueterie et lacunaire, vous voyez réapparaître également un substrat qui, je n'ai pas vérifié, doit être du papier, mais peut-être est-ce du parchemin. En tout cas, pour le siège du Louvre, les analyses ont montré qu'il y avait vraiment une marqueterie d'ivoire naturel et d'ivoire teinté en vert. Probablement aussi l'utilisation de noyers, de sycomores et d'étain. Alors l'histoire de la diffusion de ce type de siège n'est pas bien connue, mais il en existe dans de nombreuses collections européennes, en Italie, en Espagne. Du reste, celui du Louvre a été acheté par le baron Jean-Charles d'Avilliers à Bergame au XIXe siècle. On en connaît également jusqu'au mont Athos, en Grèce. Et il est parfois représenté dans les portraits, dans des portraits comme ce portrait de l'archevêque de Canterbury, qui est assis sur un siège exactement du type de celui qui est conservé au musée du Louvre. Alors, il est difficile de dater ces sièges qui ont peut-être été, dont la production s'est peut-être étalée dans le temps. On les a longtemps attribués à l'Italie, on les appelait parfois les sièges Savonarole ou les sièges dantesques. On les place aujourd'hui plutôt en Espagne, car l'un des sièges de ce groupe porte sur son dossier de cuir une inscription en arabe relatif au dernier émir Nasride de Grenade Boabdil. On pense donc que le siège date d'avant la conquête de Grenade par les armées d'Isabelle la Catholique en 1492, mais il est fort possible que ce siège ait continué d'être produit en Espagne et peut-être aussi a eu une certaine vogue un peu partout en Europe. Alors il n'y a pas que des sièges, alors il y a aussi des coffres qui offrent des points de comparaison. Mais qu'il est tout autant difficile de dater, de placer 15e, 16e siècle. Voici deux exemples pris dans les collections espagnoles qui vous montrent exactement le même type de motif que ceux du siège que je viens de vous présenter. Donc, à côté de ce siège figure, comme je vous l'indiquais, un coffre également prêté par le musée de Cluny et qui évoque là encore les échanges et passerelles entre les motifs de l'art islamique et certains décors de mobilier conçus en Europe. Donc, ce type de coffre, tout comme le siège précédent, appartient à un groupe très homogène. Un peu comme les sièges d'ailleurs du type dantesque ou savonarole. Ils sont en général composés d'un décor tripartite, à la fois sur l'avant et sur le dessus. Donc voici un siège, un coffre quasiment identique à celui du musée de Cluny et conservé au Victoria and Albert Museum de Londres. Voici des photos noir et blanc pour mieux apprécier en fait le décor du siège de Cluny. Ici, le décor de l'avant, ici, le décor du dessus, qui joue à la fois sur des effets de damier, mais qui offre ici
un décor de polygones étoilés très inspiré des compositions de l'art islamique, mais qui sont, vous le voyez ici, associés à des motifs floraux stylisés, et ici un motif de vase qui est au contraire traité en perspective, un peu à la manière des intarsias italiennes en perspective que l'on trouve au XVe siècle. Ce type de coffre a été rapproché de coffres désignés dans les sources anciennes comme des coffres à la vénitienne. Donc ils sont parfois attribués au nord de l'Italie. Certains chercheurs cependant se demandent s'ils n'ont pas été faits plutôt en Espagne. Je ne trancherai pas aujourd'hui sur cette question. Donc voici un détail en couleur du décor du meuble du coffre de Cluny. Et vous voyez peut-être mieux sur ici qu'il s'agit vraiment d'incrustations. Si vous regardez bien, vous allez voir que toutes les lignes du bois sont identiques. Il ne s'agit donc pas de petites pièces mises les unes à côté des autres, comme dans le cénotaphe ou les mines barres que je vous ai montré précédemment, mais bien d'incrustations de pièces géométriques découpées qui sont incrustées dans la masse du bois. Bien évidemment, ce décor fait immédiatement penser au décor de la céramique architecturale marocaine ou espagnole, des éliges. Il a une grosse différence, si vous regardez, donc chaque étoile est marquée d'une croix, peut-être précisément pour se démarquer, je ne sais pas, des décors d'origine ou de l'inspiration que l'on savait islamique, je ne sais pas. Donc, comme je vous le disais, ce type de meuble donc, navigue entre l'Espagne et l'Italie. Il y a très peu d'exemplaires datés. Il y a probablement aussi eu des copies faites au XIXe siècle, ce qui rend effectivement le jeu des attributions encore plus compliqué. Là, il s'agit donc d'un des rares meubles datés, qui est un porte-icône, en fait, qui se trouve dans un des monastères du Mont Athos et qui est daté du milieu du XVIe siècle, ce qui donne quand même un jalon peut-être pour ces types de coffres. On trouve également des exemples, on peut probablement en cherchant dans les peintures du 16e siècle et peut-être après, on trouverait aussi d'autres exemples. Ici, vous avez par exemple un portrait de Cléopâtre par Lavinia Fontana, donc qui date probablement du début du XVIIe siècle. Vous voyez que le portrait imaginaire de Cléopâtre, vous voyez que derrière Cléopâtre se trouve un meuble qui possède un décor d'incrustation qui est fait dans une technique qui est celle des meubles que l'on attribue donc tantôt à l'Italie, tantôt à l'Espagne. Et évidemment, ce type de meubles incrustés, il en existe de nombreux exemplaires dans les collections espagnoles, de nombreux exemplaires dans les collections muséales, et l'on voit bien qu'il est parfois un petit peu impossible de les attribuer avec certitude à l'un ou l'autre des pays, surtout et quand on consulte en fait les bases de musées, on sent bien qu'il y a des hésitations, et il y a, ça c'est certain, eu des copies et un renouveau probablement de cette technique au XIXe siècle, ce qui rend les choses assez compliquées. Il y a par exemple toute une série de coffres qui sont strictement identiques à celui de Cluny, mais qui sont considérés par les spécialistes comme des copies 19e. Donc là, pour évoquer cette incrustation, ces décors incrustés, quelques exemples, ici plutôt attribués au 15e siècle, ici et à l'Espagne, ici un exemple attribué à l'Italie qui se trouve au Detroit Museum of Art et qui ressemble un peu à ce que l'on voit dans le portrait de Cléopâtre de Lavinia Fontana, et encore ici un meuble qui, d'après la base du Metropolitan Museum, est attribué peut-être au Maghreb, peut-être à la Syrie, sans trop de certitude, et peut-être 19e, voire 20e siècle. Alors, nous avons délaissé, il y a maintenant un certain temps, l'Égypte, et nous allons y retourner maintenant.
Donc, il nous avait fourni le premier exemple connu de marqueterie couvante. Et nous y retournons maintenant pour y observer le développement d'une marqueterie géométrique à l'époque mamelouk. Donc, nous avançons dans le temps par rapport, mais nous reculons par rapport à ce que je vous ai montré, mais nous avançons par rapport au premier jalon que je vous ai montré au début de cette conférence, le panneau du IXe siècle. Donc, jusqu'au XIIe siècle, le décor sculpté semble privilégié dans le mobilier égyptien réalisé pour les édifices religieux, comme ailleurs dans le monde islamique. Néanmoins, au XIIe siècle, le développement de parois composites, faites d'un assemblage de formes travaillées séparément et assemblées par un système de rainures et de languettes, cette fois-ci, se développe et favorise probablement l'alternance des matériaux et des recherches de polychromie. Au cours du XIIIe siècle, se répandent ainsi des incrustations sous forme de filets ou de petits polygones à la surface parfois dont la surface, se répandent des incrustations sous forme de filets ou de petits polygones à la surface plane qui sont taillés dans de l'ivoire ou dans de l'os ou encore dans des bois d'essences diverses. Parfois, c'est une mosaïque de petites formes géométriques assemblées et plaquées à la surface de certains polygones qui fait aussi son apparition. Donc, je vous montre ici, en guise de jalon, un très beau fragment peut-être de cénotaphe au nom du sultan Baybars qui se trouve dans les collections du musée de Lyon. Ici, un autre exemple un peu plus tardif qui provient du minbar qui a été réalisé par le sultan mamelouk Al-Mansour Lajine à la fin du XIIIe siècle pour la mosquée d'Ibn Touloun au Caire, une des plus anciennes mosquées du Caire, qui a été bâtie dans la seconde moitié du IXe siècle, mais pour lequel le sultan mamelouk avait fait exécuter un très beau minbar dont les polygones étoilés sont dispersés dans de nombreuses collections à travers le monde. Donc vous voyez ici apparaître des éléments de marqueterie à l'intérieur même du polygone. Donc, la marqueterie apparaît ici en Égypte, non pas pour créer des filets ou des filets qui enserraient le décor géométrique. Ce n'est pas possible puisque le décor géométrique est fait précisément de l'assemblage de rainures et de languettes. Mais il vient au contraire former une polychromie et s'intégrer et se loger dans certains des polygones et créer un jeu de contraste à la fois de couleurs et de matières avec des éléments sculptés. Donc cette apparition progressive dans le mobilier mamelouk peut être observée par exemple sur des portes qui sont conservées au département des arts de l'islam du musée du Louvre. Vous avez ici par exemple deux portes, l'une qui vient de la mosquée Marie Dani au Caire, celle-ci qui est sans provenance mais qui sont des exemples de l'introduction de la marqueterie à l'époque mamelouk, de l'apparition de la marqueterie à l'époque mamelouk. De cette époque également sont conservés du petit mobilier, également en provenance d'édifices religieux, qui sont recouverts d'une marqueterie couvrante et qui, pour la plupart, sont conservés au musée d'art islamique du Caire. Les deux pièces de mobilier que je vous montre proviennent d'un complexe funéraire et religieux construit en l'honneur de la mère d'un sultan mamelouk par le sultan lui-même, Al-Ashraf Sharban, qui régna de 1363 à 1377. Donc, la marqueterie couvrante se composerait d'ivoire, d'ébène, mais aussi d'étain, qui est donc quelque chose que nous avons vu dans le siège espagnol, qui est plus tardif, mais qui apparaît déjà ici, donc, dans la marqueterie mamelouk. Les méthodes d'assemblage du décor marqueté de ces œuvres n'ont, à ma connaissance, pas été décrites avec précision. Il est donc impossible de savoir si les artisans ont utilisé la technique de la marqueterie en bloc ou si chaque élément est disposé, enfin, forme une marqueterie. Une mosaïque et un assemblage de petites formes. Il semble néanmoins à regarder de plus près ce détail, mais il faudrait évidemment analyser ces œuvres vraiment dans le détail. Il semble qu'il y ait peut-être eu des blocs ici polygonaux, mais voilà, je ne pourrais pas me prononcer. Toujours est-il qu'un rare exemple de mobilier mamelouk se trouve au musée du Louvre et se trouve précisément inclus dans la rotation actuelle. Il est habituellement présent dans le parcours permanent, mais il a été intégré à notre rotation semestrielle. Ce lutrin en noyer
est habituellement présenté déplié, ce qui ne rend pas justice à son décor de marqueterie, puisque quand le lutrin est ouvert, vous le voyez, le décor finalement se dérobe au regard, quand le regard évidemment est plus haut ici, et puis toute cette partie évidemment se retrouve dans l'ombre. Donc pour pouvoir mieux observer ce décor, nous avons donc été obligés de les laisser plier et poser cette fois-ci. Donc c'est une façon un peu différente aussi de regarder cette œuvre dans le cadre de cette rotation. Donc le décor est obtenu en juxtaposant des petites formes géométriques, là aussi découpées dans de l'eau sous de l'ivoire naturel ou teintées en vert. Cette couleur apparaît aussi ici. Dans différents types de bois, de l'ébène, un bois rougeâtre qui n'a pas été analysé, ainsi que des éléments métalliques qui sont probablement de l'étain. Alors, ce que vous voyez peut-être, c'est que le réseau géométrique et la composition ne ressemblent pas du tout à ce qu'on avait pu voir dans les mihrabs maghrébins. Nous n'avons pas tant des effets de damier que des juxtapositions savantes, en fait, de triangles, de différentes formes et de différents modules, et qui composent des effets tout à fait différents de ceux que l'on a pu observer jusqu'à présent. Vous pouvez voir aussi au passage, donc là, le haut du lutrin est composé, enfin, ces petites formes viennent évidemment se caler à l'intérieur d'un lacis géométrique qui forme un polygone étoilé, au centre duquel se trouve le blason du personnage pour lequel a probablement été commandité ce lutrin. Vous voyez ici une autre photo qui vous montre peut-être un peu mieux le vert ici, le rouge. En fait, il y a une polychromie dans ce décor et vous voyez peut-être scintiller les éléments d'étain. Donc, à l'intérieur, donc ce lutrin, sa provenance peut être déduite de l'emblème qu'il arbore, qui est constitué d'une coupe, d'un sabre et d'un écritoire. Il s'agit en effet du blason d'un émir mamelouk de la fin du XVe siècle, un certain Janim al-Bahlawan, qui fit édifier un complexe religieux et funéraire dans le quartier de Darb el-Ahmar au Caire, entre 1478 et 1510. D'autres éléments du mobilier sont encore conservés in situ dans son complexe, un minbar que vous voyez ici et un kursi. Et voici un détail sur la marqueterie qui recouvre certains polygones étoilés, justement du minbar, sur lequel on retrouve le même blason que le lutrin du Louvre, et des compositions qui rappellent un petit peu les assemblages qui sont quand même, et dans que nous voyons sur le lutrin, et dans lequel domine là encore la forme du dit triangle, et l'on a très peu apparemment d'éléments en damier. Donc il y a un vrai changement de logique géométrique par rapport au cénotaphe des premiers siècles et encore de la marqueterie espagnole du XIVe siècle. Ce changement de géométrie nous amène à évoquer une autre forme de marqueterie présente dans l'exposition et développée au XIXe siècle dans l'Iran Qadjar et dont la trame repose justement presque exclusivement sur l'association de petits triangles. Mais avant d'en arriver au XIXe siècle, je reviens quelques instants sur le développement de la marqueterie en Iran. Donc, comme en Égypte, le mobilier ancien est exclusivement orné de bas-reliefs sculptés et les premiers exemples de marqueterie apparaissent sous forme d'insertions discrètes dans de très rares exemples. Pour l'Iran, contrairement à l'Égypte, des exemples de mobilier ancien à marqueterie couvrante, comparables aux exemples que je viens de vous montrer au lutrin du Louvre, semblent inexistants. Mais on observe l'apparition d'éléments de marqueterie, notamment à l'époque safavide, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Mais l'apogée de la marqueterie géométrique en Iran est probablement l'époque Qajar et le XIXe siècle, et elle est encore pratiquée de nos jours en Iran. Donc parmi les jalons de cette histoire qui reste à écrire, il y a donc une porte assez extraordinaire qui n'est pas en Iran même, mais en Asie centrale. Il s'agit d'une porte provenant du complexe funéraire de Tamerlan à Samarcande et qui a été érigée au tournant du XVe siècle. Très abîmée, cette porte est aujourd'hui conservée à Tachkent et j'espère qu'elle pourra venir à Paris à l'occasion de l'exposition Ouzbékistan que nous espérons voir ouvrir en 2022. J'espère que je ne me trompe pas.
Donc, la porte elle-même est très abîmée. Et donc, ce sont des restitutions faites au début du siècle que je vous montre ici, où l'on voit donc l'incrustation se mêler à la sculpture. Incrustation qui repose sur une trame de triangle tout à fait comparable à ce que l'on trouve dans la marqueterie Mahmoud. Cette porte, elle date du début du XVe siècle. Donc, ce n'est pas étonnant de voir quelque chose de similaire à ce que l'on voit dans les exemples que je vous ai montrés de l'époque Mahmoud. Alors, passé ce jalon, il existe assez peu de choses, ou en tout cas, les jalons en Iran sont très mal répertoriés, les objets pas forcément bien publiés, et ce sont souvent les peintures qui nous laissent penser une marqueterie couvrante et géométrique était en train de se développer. Je vous montre ici une image parmi tant d'autres d'une porte qui semble imiter ou vouloir imiter un décor de marqueterie ici. Ce qui est certain, c'est que la marqueterie qui va se développer en Iran va comme atomiser la trame géométrique et être formée de morceaux de plus en plus minuscules. Donc, c'est ce que vous voyez d'ailleurs ici, que la trame est quasiment impossible à discerner, où il faut vraiment avoir des photos ou zoomer très très profondément sur les œuvres pour comprendre en fait les motifs. Là, vous avez donc une des rares portes conservées dans les musées qui se trouve à Copenhague dans la David Collection. Alors, le Louvre donc conserve quelques exemples plus tardifs de ce type de micro-marqueterie que l'on appelle en Iran le Khatamkari ou encore Khatambandi ou Khatamsazi, ça dépend, il y a plusieurs termes. Mais comme je vous l'avais annoncé donc en introduction, ces œuvres sont rarement visibles dans le département puisqu'il n'a pas à proprement parler d'espace dédié à l'art Qadjar. Donc une table et trois coffrets seront visibles dans cette exposition temporaire dès qu'elle aura ouverte. Donc voici les œuvres de plus près ici. Donc là, ce sont des œuvres dont la surface est entièrement recouverte de marqueterie. Les réseaux géométriques sont intégrés à l'intérieur de formes qui sont subdivisées par des filets, c'est-à-dire là, donc vous avez des grandes formes, des losanges, des rectangles, et à l'intérieur de ces formes, vous trouvez une marqueterie encore plus, très très fine, dont je vais, puis nous allons zoomer sur ce coffre et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Là, vous avez donc un des chefs-d'œuvre de la collection en la matière, qui est donc une table qui avait été présentée pour l'exposition L'Empire des Roses au Louvre-Lens en 2018. Donc, quand on zoome sur cette marqueterie, on rencontre une marqueterie, là encore, fondée sur un jeu de triangles, essentiellement, et qui forme, vous le voyez, des trames géométriques d'échelle plus ou moins variées, en tout cas d'une échelle assez minuscule. Il y a aussi une marqueterie faite d'éléments, cette fois-ci, avec des modules plutôt quadrangulaires et qui sert à former, cette fois-ci, des bandeaux séparateurs, par exemple. Donc, voici le système d'obtention de ce type de marqueterie. C'est exactement celui de la marqueterie en bloc. C'est fait à partir de l'assemblage de plusieurs baguettes. D'abord, pour obtenir, vous le voyez, un motif central, puis une étoile, puis on adjoint encore différents triangles. On finit par obtenir une grande forme qui, elle-même, peut même former des bandeaux entiers. Et puis, on recouvre la surface des objets avec. Donc ici, vous voyez, si on observe un peu de plus près ces objets, vous le ferez peut-être quand vous viendrez dans les salles, vous pouvez deviner parfois les lignes de raccord. Ici, par exemple, on peut observer qu'il y a donc plusieurs plaques qui ont été associées pour former, par exemple, le décor de l'étoile centrale. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps, je crois, pour évoquer l'Inde, donc je vais essayer d'être un petit peu rapide parce que je vois que l'heure passe. Oui, il est vrai qu'il n'y a que trois œuvres pour évoquer la marqueterie indienne, mais je vais donc essayer de résumer mon propos. Donc, l'Inde a été peu évoquée jusqu'à présent, et pour cause, pour la période médiévale, on a très très peu d'informations. Et puis, le tableau soudain s'enrichit énormément à partir de la Renaissance, avec notamment des productions d'objets qui sont stimulées
par l'installation des Européens dans, dans l'océan Indien. D'abord les Portugais avec leurs comptoirs et puis ensuite les compagnies commerciales hollandaises, anglaises, etc. C'est du reste dans le musée de la Compagnie des Indes de l'Orient en France que l'on peut voir peut-être l'exemple le plus significatif de ce type de production faite en Inde à destination du marché européen. Donc voici une vitrine prise par ma collègue des objets d'art Anne Labourdette il y a peu à l'intérieur du musée pardon, de la Compagnie des Indes, qui montre un peu le type d'objet que l'on pouvait faire en Inde, ou en tout cas qui transitait ou qui était fabriqué en Inde, qui transitait peut-être par certains ports tels que Goa ou Surat, etc. Les coffrets, notamment en marqueterie comme ceci, sont souvent attribués à la côte occidentale de l'Inde, donc le Gujarat ou parfois aussi la côte de Malabar, mais plutôt le Gujarat. Alors l'Inde et l'océan Indien, c'est aussi évidemment la route des Indes, a aussi évidemment stimulé le commerce de matières telles que la nacre, qui est obtenue à partir donc de la nacre de différents mollusques que l'on trouve dans l'océan Indien, mais aussi le commerce de l'écaille de tortue, bien évidemment les bois exotiques à la Renaissance. Évidemment, on sait à quel point la circulation de ces matières exotiques ont suscité évidemment de prodigieuses innovations en matière d'ébénisterie. Mais il y a aussi toute une production faite en Inde cette fois-ci, mais que l'on retrouve aujourd'hui principalement dans les collections européennes, car il semblerait qu'une grosse partie de la clientèle de ces objets était des étrangers installés en Inde ou amenés à voyager ou à passer par les ports et les comptoirs indiens. Donc, parmi ces objets figurent des coffrets de nacre, par exemple, que l'on retrouve dans beaucoup de collections, complètement marketés ou recouverts de nacre, que l'on retrouve dans toutes les grandes, de nombreuses collections européennes. Je vous ai mis ici un exemple qui provient du monastère des Déchaussées royales de Madrid et qui a peut-être été monté par des artisans portugais, d'ailleurs, à Goa ou au Portugal. Ici, un exemple conservé en Autriche, et puis plus célèbre encore, ce très beau coffre qui a reçu une monture dans les années 1630, monture réalisée par l'orfèvre du roi de France, Pierre Mango. Un autre type de production très très appréciée aussi en Europe à la même époque, plutôt que d'être couverte complètement par de la nacre, sont des décors qui cette fois-ci offrent un mélange de nacre et utilisent la nacre, mais cette fois-ci la nacre est incrustée dans un substrat, une résine en fait noire qui permet évidemment qui offre en fait un contraste avec la nacre et qui fait ressortir d'ailleurs ces nacres qui ont souvent des iridescences assez extraordinaires. Donc là, quelques exemples à nouveau qui sont arrivés anciennement dans les collections européennes. Ici, une œuvre qui se trouve au musée du Bargello. Ici, un coffret qui se trouve à Dresde. Encore ici, donc un plat qui se trouve également à Dresde et qui, vous le voyez pour ces deux objets, ont été ensuite montés en Europe pour encore ajouter encore à leur richesse. L'écaille de tortue était également très prisée. Voici donc quelques exemples ici pris dans les collections autrichiennes. Un cabinet ici qui se trouve sur le marché de l'art. Et ici, un reliquaire qui abrite les restes de Sainte Marguerite et qui se trouve dans le monastère des Déchaussées royales de Madrid. Alors, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée d'ailleurs pour... Ce coffret-là se trouvait, c'est le reliquaire des restes de Saint Vincent et il se trouve à la cathédrale de Lisbonne.
je ne sais plus si je l'ai mentionné tout à l'heure. Pour vous dire que certains de ces objets, en dehors d'être conservés aujourd'hui dans des collections muséales, le sont parfois encore dans des monastères. Alors cela me permet justement d'introduire là une des dernières acquisitions du département, qui est un coffret à bijoux qui est précisément recouvert d'une marqueterie d'écailles en partie, mais pas seulement. Vous avez aussi de l'ivoire, différents types de bois. Et la particularité de ce coffret est d'avoir sur ses flancs, en ceinture si vous voulez, des petites vitrines à l'intérieur duquel se trouvent des sculptures d'ivoire peint. Donc c'est assez... Enfin, ce type de coffret n'est pas inconnu, mais est assez rare. Donc voici des photos prises au C2RMF de ce coffret qui, quand on l'ouvre aussi, dévoile une autre sculpture en son centre, hein, qui est visible en transparence ici. Voici une photo prise dans les salles en lumière rasante pour vous montrer en fait ces petites sculptures qui sont donc à l'intérieur d'une vitrine en verre. Au fond de la vitrine se trouve un miroir qui aussi permet en fait de démultiplier la sculpture ou d'offrir un effet de démultiplication. Chacun des éléments intérieurs de ce coffret ont été fixés par un système de languettes qui fait qu'on ne peut plus maintenant le décomposer, c'est-à-dire vraiment tout est conçu pour être construit en une seule fois, les vitrines et l'intérieur. Donc on est à peu près sûr que l'objet n'a pas été remonté. Et quand on enlève la première couche, on trouve en fait encore différents petits tiroirs. Voilà. Alors, cet objet a quelques homologues, pas énormément, qui se trouvaient encore sur le marché de l'art il y a peu, notamment le marché de l'art londonien. Donc, voici deux exemples de ce type de coffret avec ce jeu de marqueterie d'écailles qui en sert une vitrine à l'intérieur duquel se trouvent des sculptures de fleurs. Alors, la production de marqueterie indienne, elle se caractérise aussi par... un mobilier assez varié qui est fait et qui est composé en fait de décors qui offrent en fait différents types de contrastes colorés, soit des contrastes sur fond noir, soit des contrastes plus polychromes. Ici, vous avez quelques exemples de mobilier indo-portugais, dit indo-portugais, c'est-à-dire probablement arrivé à travers les ports espagnols en Europe et probablement exécuté aussi pour une clientèle portugaise. Voici ici d'ailleurs le détail de la boîte qui vous montre d'ailleurs des représentations de portugais. Ici un détail sur la marqueterie polychrome du coffre que vous avez vu dans l'image précédente. Ce mobilier est souvent ou possède souvent en fait des animaux en guise d'atlante. Nous le reverrons bientôt dans un cabinet qui est présenté dans l'exposition. Alors la marqueterie indienne de cette époque est représentée au Louvre, dans les collections du Louvre à travers plusieurs petits coffrets qui ne sont pas présentés de manière permanente. Dans l'exposition actuellement, nous avons sorti un coffret lacunaire qui n'est pas peut-être le plus beau de la collection, mais qui permet justement d'évoquer cette production. Donc, vous avez ici, il faut imaginer donc que le décor est entièrement plaqué à la surface. Donc, vous avez à la fois du plaquage de bois exotique et du plaquage d'ivoire. Donc là, vous voyez très bien, on a sorti donc avec Delphine Elie Lefebvre ici donc un des tiroirs et l'on voit très bien que le décor est un décor de plaquage. Il ne s'agit donc pas d'incrustation dans la masse du bois. Donc voici un détail encore sur une autre face de ce coffret, où l'on voit des reprises en gravure, évidemment, pour les dessins. Gravure à l'intérieur duquel on trouve des résidus de résine. On passait probablement une résine noircie au carbone pour justement rehausser les gravures. Et cela m'amène donc à vous présenter le dernier objet de la rotation, qui est un objet qui se trouve encore dans la collection des objets d'art qui n'était pas présenté précisément dans les espaces des objets d'art, raison pour laquelle j'ai demandé à mes collègues s'ils pouvaient nous prêter
ce meuble pour l'exposition. Il est tout à fait emblématique d'un type. Alors, le cabinet à abattant est un des types très répandus dans ce mobilier indien destiné aux Européens. Il y a un autre type très emblématique, c'est celui qu'on appelle le contador. Il est très connu au Portugal. On en trouve énormément dans les collections portugaises. On en trouve également dans la plupart des grands musées maintenant à travers la planète. Donc, ce sont les contadors sont des meubles à deux corps, un coffre en hauteur ici et un piétement. Et souvent, d'ailleurs, les pieds sont des sculptures animalières ou humaines qui forment des sortes qui sont un peu comme des atlantes. Donc, je passe rapidement parce que je sais que l'heure tourne. Donc, Delphine Elie Lefebvre, qui a restauré dans le cadre de cette rotation le meuble, a observé qu'il ne s'agit pas ici d'une marqueterie, à proprement parler, alors qu'on pourrait le penser. Il s'agit en fait d'incrustations dans la masse. Ce que vous voyez en noir ici, ce sont des incrustations de palissandre sur un fond de teck. Donc, en fait, il s'agit là d'incrustations au fond et non pas de marqueterie. À ces incrustations, à la fois de palissandre mais aussi d'os, vous avez des petits points d'os qui ponctuent l'ensemble des décors qui sont formés d'arabesques, qui offrent des affinités avec, du reste, les répertoires d'ornements à la mauresque, etc., que l'on trouve à la Renaissance. Et qui donc est probablement issu aussi d'échanges d'idées ou de reprises et de va-et-vient en fait entre le monde islamique, l'Europe et l'océan Indien, ce qui est assez extraordinaire. Voici d'autres exemples de mobilier tout à fait comparable à celui au contador des objets d'art. Alors, ce type de marqueterie, avec une opposition comme ça de noir et de rouge, de bois rougeoyant, est caractéristique des meubles qui ont été faits cette fois-ci à Goa même, donc qui est le centre névralgique évidemment pour les Portugais à cette époque. On a des exemples de ce mobilier conservé dans la cathédrale même de Goa. Beaucoup de collections particulières au Portugal conservent encore de très beaux exemplaires, et puis de nombreux musées également se mettent à acquérir ces objets qui sont souvent assez séduisants. Donc voici deux exemples, l'un pris dans la collection du Victoria and Albert Museum, l'autre dans une collection portugaise. Voici un exemple de contador qui est strictement le jumeau de celui du musée du Louvre, qui se trouve donc à Lisbonne, au Museu de Arte Antigua, mais qui est le jumeau vraiment strictement de celui du Louvre, mais qui n'a aucune ferrure, c'est-à-dire aucune applique de métal. Ce qui nous permet en fait de voir que les parties où se trouvent actuellement ici les appliques de métal avaient été, vous le voyez, préparées avec une incrustation probablement de palissandre, comme le reste des incrustations qui sont ici, de manière à ce que les ferrures se détachent dessus. Alors, quand on voit si vous allez voir donc de plus près le coffre, mais vous ne pouvez pas trop vous approcher parce que sinon vous allez déclencher une alarme, vous verrez réapparaître un peu ce fond-là que l'on voit très bien ici sur le contador de Lisbonne. Donc, l'ajout de ces ferrures a parfois rendu totalement illisible du reste. Par exemple, ici, vous avez l'ajout de ferrures et de poignées qui oblitèrent complètement, en revanche, un décor qui n'était pas forcément destiné à recevoir une ferrure. Et il me semblait que j'avais encore une petite... voilà. Donc, un autre détail, ici, où l'on voit que le décor est oblitéré. Je ne sais plus où est-ce qu'il faut. Je crois qu'il y a un problème de batterie, peut-être. Je suis désolée, je voudrais revenir sur l'image précédente, mais je n'y arrive pas. Ça, c'est la dernière, vous le voyez, mais voilà.
Donc, pour vous montrer que, aussi, en observant de plus près ce Condador, on s'est rendu compte qu'il y avait des incrustations sur toutes les sculptures zoomorphes donc des pieds. Donc, vous avez des incrustations de palissandre et d'os, comme sur le reste du meuble, et pourtant, elles ont été entièrement recouvertes ou en partie recouvertes par des appliques métalliques. Voilà, donc je vous invite à aller regarder de plus près tous ces objets. J'espère que je vous aurai donné aujourd'hui quelques grilles de lecture et surtout l'envie de revenir au musée qui, nous l'espérons, réouvrira dans peu de temps. Merci.